Bonsoir. Excusez-moi. Je suis au jardin, donc. Bonsoir, bonsoir. Partagez le direct. Partagez le direct. Je vais mettre où il y aura plus de lumière tout à l'heure. Comme quand ça le dépasse, c'est Alphonse qui l'envoie devant. Je t'attends alors, Alphonse. Discutons un peu. Parlons un peu de la bagarre qui s'est passée hier. J'attends votre avis sur la bagarre d'hier. J'ai l'exclusivité de l'histoire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Laure Numba. Venez, je vous raconte la vraie histoire. On a que les divins, non? C'est ça. Bonsoir. Comment tu vas? Allô, je t'entends. Amour, maman. Je comprends rien. Parler, au revoir. Rime. Mmh, mmh. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Flo Nyumba. Merci, Yo Checha. Merci. J'ai laissé Minanus. J'ai laissé. Bonsoir, Sabé, Viviane. Hello, Nathalie, Mireille. Carlos, Hilda, ça va? Laurence, Wandy, bonsoir. Wameni, bonsoir. Annick, Mendio, bonsoir. Oui, j'arrête la cigarette. Ok. Bonsoir, tout le monde. Paulina, Makala. Mafo, PDG.
Le pouvoir est... C'est qui ça? Il faut que je le bloque. Bon, justice, justice, et voilà, je te laisse encore le bénéfice du doute. OK. Merci pour la coiffure. C'est une perruque. C'est une perruque. Il y a les restants en bas. Bipé tata lolo, bipé partager le direct, on a que le divers, j'ai le flé sous ce sur. C'est histoire de chicken tui. Et les histoires de chicken tui, oh. C'est quelque chose. On a seulement les divers ce soir, non? L'histoire de Tikune Tui, c'est samedi soir. Je suis là-haut. Je suis à la maison, l'eau. C'est le Tikune Tui qui a créé la bagarre d'hier. Le mignon! Le mignon! Bonsoir, maman ministre. Bonsoir, ma mère. Bonsoir, Tata Lolo. Bonsoir au Applaudissez, envoyez le spoilers, cœur, bonsoir au ma maman. Loulouman. Envoyez le Maman cœur, ministre, ma ne mère. t'embrouille pas, maman ministre, t'embrouille pas, c'est une information, nous on a besoin que tu nous donnes les informations, ne t'embrouille pas, sinon tu D'accord. vas gâter ton direct. OK. Ne t'embrouille pas, parce que nous, moi, tu sais, j'ai dit que je ne suis plus dans les histoires de Non, classe, je ne là. veux même pas te Mais tu voir. as décidé, tu as décidé de nous éclaircir les choses, et tout le monde va être au courant de ce qui s'est passé. Voilà. Parce qu'en temps normal, moi, tout ce que je peux dire, c'est que je remercie le Seigneur. Parce qu'on a vu cette fille, on a vu cette personne à la veillée. J'ai eu la chair de poule quand j'ai vu ça. À la veillée, moi, j'avais préparé mes habits pour aller à la veillée. Hein. J'étais déjà habillé. J'ai même acheté mon billet du train. Je suis à Paris. Hein. Je Tu suis à m'avais dit Paris. on devait C'est à aller la ensemble. dernière minute. Voilà, on devait aller ensemble. Tu te vois la chance que. J'étais même appelé pour dire que ma ministre, on Non. quitte à Je ne 23 sens, heures. voilà. Après, tu as dit, je ne sens plus, moi, mon corps. J'ai dit que ça, mon cœur, il va m'excuser, mais je ne pourrais pas parce que il y a quelque chose qui me dit de ne pas partir. Parce que je me connais quand je bois peut-être deux ou trois verres, je ne supporte pas l'alcool, je deviens très, très nerveuse. J'étais dit, non, hein, ministre, donc laisse tomber, je n'y vais plus. Et puis, je préfère dormir. Je me suis déshabillée sur ces mois-là. Après, j'ai vu qu'il y avait le direct de leur côté. Dans le direct, on chantait que les anges, les Mais tout le voleurs monde vont va passer. passer. Tout le monde va passer, Et c'est veuillez préparer ton Jésus, nom. ne pas. Voilà, c'est toi qui m'as appelé pour me dire qu'il y a le direct avec mon nom dedans. Elle me cherchait dans la salle, elle me fouillait. Et toute la semaine, elle disait dans la vidéo que oui, je t'attends à la veillée, je t'attends à la veillée. Bon, je ne pense pas, je suis un peu abattu C'est Dieu quand qui t'a sauvé, tu ma vois soeur. une personne qui va dans une veillée avec une arme blanche à la main. Ça veut dire que cette personne venait avec des mauvaises intentions. Cette personne venait avec les... Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Quand il y a des informations comme ça, franchement, il faut partager. Mais je vais vous dire ici devant tout le monde que j'ai décidé. Parce que Facebook, là, on s'amuse avec. Moi, je croyais que c'était un terrain de gamme pour s'amuser. Elle a oublié qu'elle a publié ma nudité. Cette fille m'en veut à cause de l'émission À cœur ouvert. Parce que À cœur ouvert, beaucoup de personnes ont aimé À cœur ouvert. N'y a pas que Beaucoup ça. de personnes. Je dis, vous dites Et longue qui te fait voilà. au Il y a mal. les. Voilà. Longa qui me fait une dédicace dans sa chanson. Voilà. Et tout dit.
m'envoie des mandats parce que tout dit aime à cœur ouvert. Ouais. Les artistes, moi, je ne peux pas te dire combien d'artistes j'ai qui me sollicitent pour faire beaucoup de choses avec eux, qui à poser avec une jeune artiste, je ne dirais pas le nom. Beaucoup d'artistes me contactent. Beaucoup. Que tu attends l'autre émission, on le veut parce que tu fais des choses bien. Bien. Personne ne pourra faire ça à ta place. Continue ton travail. Mais je suis désolé, ce week-end, demain, je ne pourrai pas parce que mon téléphone, comme tu le sais, est perdu, maman. Mm-hmm, tu me l'as dit. Tout le monde est à même, toi, hein. Ouvert. Le jour même. Oui, le même jour, le même mon jour. Téléphone est perdu. Donc, mon téléphone, je l'ai perdu. Tout le monde est à cœur ouvert. Les hautes autorités au Cameroun m'appellent pour me dire, je ne vous manque pas, je ne veux pas seulement donner les noms, de peur, juste pour protéger l'anonymat de ces personnes-là. Les autres autorités au Cameroun m'appellent pour accord ouvert. Ils m'ont même déjà proposé beaucoup de choses que vous verrez dans les prochains mois. Je ne pourrais pas dire ça ici. Vous allez juste voir des choses qui vont se réaliser. Ce n'est pas les soirées, c'est des bonnes choses. Et ceci, c'est grâce à vous. Ceci, c'est grâce à votre bonté. Ceci, c'est grâce à votre encouragement. Vous avez sécurisé ma page. Vous m'avez beaucoup conseillé. J'ai juré de ne plus crier sur la toile. J'ai juré de ne plus clasher. Je vais clasher pour les débats instructifs. Je vais discuter avec vous. Je vais partager avec vous. Je vais apprendre avec vous. Aujourd'hui, accord ouvert continue. Il n'y aura pas accord ouvert demain parce que je n'ai pas de téléphone. Celui-ci, c'est un petit téléphone que j'arrive même pas à manipuler parce que je suis habitué avec les smartphones. Voilà. Donc, déborder le Koufa qui m'a salué dans son direct. Et Longa, notre artiste. C'est ça qui veut tuer notre. Voilà. La jalousie. Voilà, c'est ça. Je la suis victime. Je suis victime. Je suis victime d'une jalousie qui n'a pas de nom. Je suis victime parce que j'ai montré au monde entier. Tout ces nez-là. C'est tout ce, au monde entier que toute cette personne-là qui dit que je suis. Le Lolo, c'est une pute. Lolo, c'est ceci. J'ai mis les fesses dehors. On a vu sa femme avait le gold. Le gold de ceinture. Les vidéos sont sorties. On a vu sa femme qui avoue qu'elles habitent ensemble dans la même maison. On a vu tout. Tata Lolo a tout déballé. Aujourd'hui, je suis victime de jalousie. Je suis victime de je ne sais pas quoi. Elles ont publié. Je ne veux plus me plaindre. Je n'ai plus envie de revenir sur ça. Je ne reviens plus sur ça. Tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, là, c'est que ce couteau était destiné pour me tuer, pour me poignarder. Mais je suis une orpheline de mon état. Je parle avec la bouche, je ne passe pas l'action. Comme dit souvent la chancelière, Tata Lolo parle, mais ne ment pas. Je ne connais pas le mal. Je vous laisse dans votre monde du mal. Mais le couteau que tu poignardes, que tu sors tous les jours, là, ce couteau-là va se retourner contre toi un jour. Ça, sois-en sûr. Le mal finit par le mal. Là, oui, le mal finit par le mal. Vous avez dit ici là que Tata Lolo a fait le point avec la chancelière. La chancelière vous a dit que Lolo et moi, on s'est insulté. On s'est avancé des mots durs. Il n'y a pas que elle. Aujourd'hui, ma petite, c'est moi, on s'est réconcilié. Quoi que vous allez faire, quoi que vous dites, nous sommes unis à vie. Rien, ce que vous allez monter encore comme coup, ça ne va plus nous distraire. Parce que la chancelière m'a montré son amour quand vous m'avez publié. Vous avez voulu qu'elle jubile. Elle a dit non. Elle a même accepté de se séparer avec certaines personnes. iPhone 7. Ah, merci beaucoup. Elle a même préféré se séparer avec certaines personnes de sa team, disant que non, on ne peut pas faire ça, Lolo. Lolo et moi, nous avons passé, on se connaît dans la vraie vie. Quoi qu'il y a, eu entre nous, ça reste ma soeur. Elle m'a tendu la main au moment où j'en avais besoin, pas en m'appelant, pas ses gestes et pas ses actes. Et ça, je salue cette grandeur-là. C'est cette grandeur d'esprit. C'est ce que vous êtes incapable de faire. Vous ne le ferez jamais. Parce que vous avez le mal en vous. Vous avez la haine en vous. Vous avez la méchanceté en vous. Vous avez l'esprit diabolique en vous. Non, mes compétences n'ont pas ça. J'ai cru un instant dans ma vie qu'elle avait changé, qu'elle n'était plus la construction que je connaissais avant Facebook. Mais je m'étais trompé. Tout le monde peut se tromper dans la vie. Tout le monde peut se tromper. Je m'étais trompé. Parce que je croyais qu'elle m'avait délaissé à ses faux profils. Non, pourtant, c'est parce qu'elle était au Cameroun, elle avait aussi beaucoup de problèmes. Vous avez envoyé votre veuve de venir me manipuler. Je ne connaissais pas encore le système de Facebook. Je suis tombé dans un piège. Excuse-moi, Tata Lolo, de te couper. Il y a quelqu'un qui veut t'envoyer un téléphone, que tu le contactes.
C'est qui? C'est l'humain Oyim, Oyam Tim, et French Dioral. Écris un peu son nom. Donc, vous m'avez, c'est la chancelière, moi, nous avons eu des problèmes. Je me suis senti délaissé. Pourtant, elle ne m'avait pas délaissé parce qu'elle était au Cameroun, elle avait ses problèmes là-bas. Et il y avait une mésentente. Vous avez envoyé votre veuve là de venir me manipuler. J'avais confiance en elle parce que c'est quelqu'un que je remarque depuis l'Afrique. Je suis tombé dans un piège parce que je ne connaissais pas encore le système de Facebook. Aujourd'hui, au moment où je n'avais besoin, elle m'a tendu la main, pas en m'appelant, pas ses gestes, pas sa grandeur. Elle a dit, j'ai quatre aussi comme ma copine. Ça m'a touché. J'ai pleuré. J'ai compris que non, c'est tout la même compression que j'ai connue. C'est tout la même compression. Mais j'ai cru voir quelqu'un d'autre. Pourtant, je me trompais. Et tout le monde peut se tromper dans la vie. Je m'étais trompé. Et aujourd'hui, j'ai reconnu nos erreurs. Mais plus pour moi, parce que c'est moi qui ai la grande. Je devais plus mieux réfléchir. Tata Lolo, on t'a dit de laisser ça. Flor, nous. Oui, j'ai dit, passons les. Je suis passé à autre chose. On est passé à autre chose. Oui. Donc maintenant, oui. Je suis passé à autre chose. Maintenant, moi, je vous aujourd'hui, je suis dans ma team. Lolo, excuse-moi. J'ai mon mouvement. Attends, 1 minute. J'ai mon mouvement, les spotless. La chancelière a accordé ce mouvement. J'ai mon mouvement, les spotless, qui est composé de ninjas. J'ai fait ma petite vie, j'ai fait mon émission. Tu veux me tuer à cause d'accord ouvert. J'étais trouvé dans Facebook, tu as insulté tout le monde. Moi, j'ai amené mon concept. Je dis, mon concept marche. Vous êtes parti chez les marabouts. J'ai perdu 2 de mes valises. Vous avez mis mes fesses nues sur Facebook. J'ai accepté aujourd'hui. J'ai accepté tout. J'ai tout accepté. Amen. Aujourd'hui, là, je lave les mains sur vous. Je ne vais plus jamais Amen. Vous répondre, ni vous clasher. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je sais faire à cœur ouvert. Avec je sais dialoguer. Je sais discuter. Je plagiat. Sais apprendre. Je sais faire la propagande. Voilà. Je sais faire la publicité. Je suis une animatrice née. Je m'appelle RFI depuis des années au Gabon. On avait déjà vu ça en moi. Et j'ai décidé aujourd'hui là de vous montrer ce que je suis. Je vais vous montrer mon expérience. Je vais vous montrer mon savoir. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. Merci au Lolomania. Merci au Ninja pour votre travail. Merci, je ne saurais citer les noms. Mais la vérité est sortie aujourd'hui. Maman me disait la vérité entre ses mains. Moi, je ne peux plus parler. Je voulais vous dire, parce que j'ai eu le fax par quelqu'un qui était dans la salle, un grand frère à moi, qui est aussi ami du grand frère. Maman, il est là-bas, il partage le direct de la maman ministre. Le direct doit arriver à 500 personnes pour que le message passe bien. Nous sommes à 362. Le message doit bien passer. Partagez le direct. Quand ils sont là-bas, ils partagent bien pour qu'on ait l'information doit bien passer. L'information, voilà. Maman ministre a la vraie version. Elle a la vraie version des choses. C'est une histoire de chicken tree. Et c'était même pas là-bas. On partait pas avec le couteau pour le chicken tree. On partait pour poignarder Lolo. Parce que Lolo n'était pas là. On a maintenant vengé ça dans l'histoire de chicken tree. Parce que la personne qu'on envoie en premier, c'est mon Minamus. Croyant que le tata Lolo allait venir avec sa délégation, ils ont prévu leur délégation de putes et de lesbiennes. Pour venir. Mais tata Lolo a tapé poteau, la salle était poteau. Et Linda, ça te donne une leçon de te lier aux gens bien. Tu as vu ton deuil, le deuil de ton père était comme un deuil froid. Un père, tu as pleuré ton père comment? À Paris, une Parisienne que tout le monde connaît, de la jet set. Et Linda, regarde comment tu pleures ton père, la salle est vide. Ça finit par une bagarre. Cette fille est maudite, Nelly Linda. Une petite fille comme toi, tu peux t'allier. Toi qui fais les ongles de tout la jet set à Paris, qui maquille tout le monde. Ton Dieu devait être plein. Mais, à cause d'une seule personne, une seule personne, ça doit vous donner des leçons. On vous avait vu le deuil. Elle-même, pour se moquer de toi, elle filmait la salle en cherchant en même temps ma tata Lolo. Poto. Notre papa Poto est déjà même en Allemagne. Poto. C'était le poteau total hier. Tu vas encore avoir des poteaux comme ça, double poteau. C'est le quadruple poteau que tata Lolo te tape pour te dire hier. Tu cherches une fille qui ne te cherche pas.
Une femme doit avoir sa valeur, sa dignité. On chante, tu chantes le nom de Tata Lolo, elle n'a pas ton nom. Ce n'est pas son nom. Elle n'a pas ton temps. Tata Lolo dort en paix avec son mari, elle était couchée chez elle, avec son gars. Elle a pris le bienvenu au deuil, hein. Mais elle a tapé poteau. Elle a senti l'affaire, là. Moi, j'avais prévu déjà mon blanc, mais c'est parce que je t'avais dit Tata Lolo. C'est que je mettais du blanc. Oui, tu m'avais dit. Voilà. On avait tout prévu, mais le potéance de ça. Le potéance. On l'a, quand on dit même plus poteau, on appelle ça potéance. Parce que, hey, Tata Lolo, tu es une femme folle. Tu comprends? Tu as l'esprit. C'est pour ça que je me bats. C'est que ton esprit, là, que tu as, tu puisses développer ça. Tu te bats. Tu es une femme forte. Quand on compte les femmes fortes de Paris, tu fais partie des femmes fortes. Je t'ai vu, je connais un peu ton parcours. Tu es une femme forte. Tu as eu un instinct. Mais à 23 ans, moins on partait, ça y est. Quand Lolo a dit, ma ministre, moi, tu me connais, non? Quand elle dit non, là, mon corps ne sent pas. Ils avaient déjà fait le groupe pour nous attaquer. Parce que la semaine passée, comme on était parti qu'au 17e, on a cherché. Et Linda, ne crois pas que quand on fait ça, c'est parce qu'on t'aime. Devant ta famille, tes amis viennent te souiller. Moi, elle vous tue. Le jour que ma femme meurt, vous venez faire ça, elle vous tue. Vous avez compris. Et Linda, c'est la honte devant ta famille que tes amis viennent gâter le dos de ton père. Parce que l'ami de ton frère est comme un frère à moi. Il a dit que les putes ont gâté le deuil de son père. Et il va t'en vouloir. Ah oui. Il a dit ça à mon ami, à mon frère. Il a pleuré ton frère. Que ma petite soeur est entrée dans une bande qui ne comprend plus rien. Ah ça. Tu comprends? Ton frère était là, hein, avec ses amis. Hein. Mais la honte que tu as collée à ce garçon. La honte. Ma famille était là, Nelly Linda, tu ne savais même pas. Mais ils étaient loin de Flore, parce qu'ils connaissent déjà Flore par rapport à moi. Les injures à ma personne. Elle ne sait même pas ce qu'il attendait là-bas. Elle a la chance d'avoir le gars Douala là qu'on appelle, ou bien c'est qui là, qui la protégeait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient la taper. Seulement par rapport à moi et Lolo. Les noms des gens, vous allez marcher partout, on ne connaît pas qu'il y a les familles des gens. C'est le pied bancal là, qu'elle porte, elle marche dans Paris, un peu partout, un peu partout. Il faut qu'elle sache qu'il y a les familles des gens. Donc, ça se passe comme ça, Lolo. Elle arrive, on entend, on prie. On finit les prières, dit amen, écarteuse. Elle parle que de toi et... Ha! Tu hantes la fille là, Lolo. Tu hantes cette fille, j'étais en direct, elle ne savait pas. Je voyais la salle, elle dit, hey! Donc, Tata Lolo a hanté la fille, c'est vrai, vrai. On a dit que Tata Lolo, laisse-nous faire le travail. Fais ton cœur ouvert. Fais ton émission. Tu ne te mélanges plus à la boîte. Parce que ça, ce n'est plus ton niveau. Hein. L'habit que tu peux mettre sur toi, ne serait-ce que ton cabas de la maison, elle ne peut pas mettre. Donc, pardon. Tata Lolo, laisse-nous s'occuper de ça. Ne te mélange plus à ça. Même mes frères m'ont dit de te dire ça. Que tu es une belle femme. À l'ouest, tu fais partie. Tu es une reconnaissance. Mon frère m'a dit de te dire ça. Donc, maintenant, on peut dire qu'on a une soeur de l'ouest qui est populaire sur la toile. On va montrer Tata Lolo. On ne montrera plus le port de Foucault. Parce que le port de Foucault nous a taché l'ouest. Dit Tata Lolo ne plus se mélanger à elle. Vraiment. Parce qu'elle est notre Lincoln de l'Ouest sur la toile. Comme Compresso est Lincoln de son côté d'un pas. Donc, pardon, Tata Lolo, ne répond plus à cette boîte. Nous avons assez de cette putain, de cette salle de gaudes, de cette qui nous a montré ce que nous n'avons jamais vu de notre vie. Moi, je n'avais jamais vu un gosse de ma vie. Et j'ai vu ça sur la toile. Je ne vous manque pas les pieds. Jamais. Et j'ai vu tout ça que sur la toile. Je suis écœurée de cette fille. Elle me sort de partout. Tu vois, je l'ai déjà vomi. Nelly Linda,
remets-toi en question. Il y a des gens que mon père meurt aujourd'hui. Il vient de deuil. À la porte, il dit non, je n'en veux pas. Je ne veux même pas ta compassion. Je ne veux rien. Parce que ce n'est pas la compassion là, tu vas jusqu'à elle porte les beignets vers ton deuil. Elle dit que ne mangez pas les beignets, c'est moi qui a fait. Qui va manger les beignets qui charme les gens là? Une fille qui n'a même pas de capacité de pouvoir avoir un public sans toucher. Lolo a cette lumière que tu as vue en elle, que tout le monde a vue en elle, d'attirer tout le monde sans toucher à quoi que ce soit, sans faire quoi que ce soit, juste avec son franc parler, sa manière de faire. Tu vas au deuil, tu ne vois pas Lolo. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. La ouais, maman, mais ça me fait pleurer. Calme-toi. Ah, mais ça me fait pleurer, pardon. Hein? Cette étoile qu'elle a, ce n'est pas tout le monde. Toi, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Moi, je l'aime, Horal. On a monté, on dit sur le chemin de la gloire. Il y a beaucoup d'embûches. Cette fille et moi, on a tout fait pour nous séparer. Tu as envoyé combien de personnes? Tu as tout fait. Lancer le camp entre moi et Lolo. Fatigué. Fatigué. Mais nous, on a décidé que ton camp va là. On a mis nos genoux à terre, on prie. Ça ne peut pas dépasser Dieu, ma mère. Tu vas finir par comprendre que Dieu est le Alpha et l'Oméga. Nous, on va te faire comprendre ça sur cette toile. L'on ne parle plus avec toi. L'on ne va plus jamais te répondre. Moi-même, s'il faut que je sacrifie. Tu avais dit que quoi? Mais tu auras des surprises dans les mois à venir que l'on est courant. Appelle encore chez. Tu parles avec chez. Mais tu auras des surprises. Nous tous, Lolo, moi, on a des surprises pour toi. Tu as compris? Tu dors derrière nos vies. Tu dors sur nos murs. Tu dors sur nous. Mais on avance parce que nous sommes les enfants bénis de Dieu. Tous ceux qui s'approchent de toi ont un malheur. Il a suffi que Vius Lydia te dit bonjour le lendemain, son père. Tu as pris son père. Qu'est-ce que tu as dans ton secte? Dis-nous ici. Qu'est-ce que tu as dans le secte que tu es parti? Qu'est-ce que tu veux aux enfants de Dieu? Nous ne voulons rien. Nous voulons juste évoluer. Nous sommes venus en France montrer l'exemple aux autres. On a eu cette chance. On est arrivé ici. Alors, tu as voulu montrer à tout le monde entier que nous sommes des putes et que nous ne pouvons rien faire. Mais Lolo va nous montrer que nous sommes en Europe et on est capable de faire plus que ça. Tu seras la seule qui restera dans ta putain. Tu as compris. Tu vas rester dedans. Moi, je n'avais jamais vu tout ce que je vois sur la toile de ma vie. Je n'ai jamais vu, moi, un God de ma vie. Après tout mon parcours, même Lolo là, qui a parcouru le Guinée, tout ça, que tu dis là, elle n'avait jamais vu tout ça. Le tupin-tui que tu vois là, nous n'avions jamais vu ça. Mais tu es la dégradation de l'Ouest en personne. Ne dis plus que tu es de l'Ouest, dis que tu es même... Je ne sais même pas, moi, du l'endroit où la frontière Cameroun-Nigeria, là, où il y avait la bagarre. Comme ça, au moins, on ne sait pas où tu es. Hein? Dis que tu es même de la frontière, là, comment on appelait encore ça, encore à l'époque, qu'on nous a remis là. On a dit que c'est à nous. Bakassi. Dis que tu es de Bakassi. Comme ça, au moins, on ne sait pas si tu es Nigérien ou si tu es Camerounais. Parce qu'à Bakassi, c'est comme ça. L'étoile de l'enfant là, tu ne vas pas prendre ça. L'étoile que l'enfant là a sur la tête, toi, maman de 70 ans, là, tu vas laisser ça. Parce que nous sommes là. Et elle ne va plus te répondre. Tu as compris. Lolo ne te répondra pas. À la veille, avant que la mère de Virus, le père de Virus, il a le meurt, j'ai vu ta sorcellerie. Parce que tu as tellement voyagé dans mon rêve que je suis déjà habitué à toi. Partout où je suis, tu me suis. Donc, ce que tu es parti faire au père de Virus, Lydia, j'ai vu à la veille. J'ai appelé Lolo, je lui ai dit. Que le virus va faire du mal ou va lui faire du mal. Je mens, Lolo. Non, non. Donc, tu vas laisser les enfants de tout tranquille. Parce que personne, Lolo ne te répond plus. Lolo ne te répond plus. Composition ne te répond plus. C'est nos incones. Tu ne vas pas les salir. C'est nos incones à nous. On a décidé comme ça. On a décidé que tu ne vas plus l'être. Donc, tu vas parler. Parler, elles vont t'ignorer. Nous, on va faire les directs pour te répondre. Tu peux une tuer. Comme tu ne l'as pas vu hier, tes nerfs sont montés à vif.
Parce que David a préparé. Non, minute, il y a la chancelière qui est là. Bonsoir, maman la chancelière compresseur. C'est comme ça qu'on te salue. Bonsoir. On dit qu'on appelle maintenant Diane. On appelle maintenant Diane PDG, PDG Remedy et Rosiane Diane. Celle qui a bagarré là, c'est son nouveau nom. C'est elle qui a pris le pouvoir. Hein. Elle a pris le pouvoir. De... PDG Diane. La pauvre Diane, ce qui se passe, c'est que Diane était assise tranquillement. Lolo, je t'explique. Elle n'était même pas de son côté. Hein. Comme on dit que la malchance, comme vous voyez là. Diane était de l'autre côté. Oh. Dans, si vous regardez bien sa première vidéo, vous allez voir où Diane était assise. Elle faisait que filmer passait toujours sur Diane. De toute façon. Diane n'était vraiment pas de son côté. Maman avait toutes les chaises vides qu'il y avait dans la salle. Elle envoie Mini Minot chercher la chaise. Donc le truc qu'on avait prévu pour jeter sur toi et ta team qui devait être là. C'est Mini Minot le porteur. Comme lui, c'est Kalamongoyo. C'est Kalamongoya. Elle a Kalamongo et lui la Kalamongoya. Donc, papa Mbounman se lève, on lui dit, va se prendre la chaise là. Attaquons-nous à Diane. Pourquoi? Parce que Diane couche avec Kokoko et tout, en cachette. Ce n'est pas la drague, c'est Sanga en cachette. Donc les dos de fleurs partent chez Diane. Le mignon, ha, mof, gigolette, elle les met au pas. Ha, mof, mide, gigolette les met au pas. Donc le mignon fait comment? Le mignon prend d'abord le truc. Elle tombe, quand elle go, elle dit qu'elle part en voyage, elle go chez Diane, elle fait quelques jours, toujours comme ça, toujours comme ça. C'est ça l'angacha, je vous dis la vraie version. Hein. Ça fait il y a 3 semaines qu'elle est au courant que le mignon part là-bas, passer le temps avec Diane. Diane a le temps. Diane avait dit au mignon que le jour qu'elle m'attaque, je finis avec elle. Elle peut Diane. Diane a d'abord la force d'un homme. Quand tu regardes Diane là, elle a la compresseur. Quand tu regardes Diane là, est-ce qu'elle peut Diane? En beauté, même seulement le jean. Que Diane met le jean, est-ce qu'elle met le jean? Elle peut mettre un jean. Diane a mis le jean, elle était stylée. Même quand elle était un peu garçon manqué là, bon, c'est leur problème. Elle l'envoie Mini Minot prendre la chaise. Tu comprends, ma mère? Mini Minot part. Comme il est un Mbounman, on dit non, tu ne prends pas. Elle avait adossé sa main sur ça, comme quand tu es fatigué déjà au deux, tu adosses ta main. Il partait comme ça. Les deux, tu partais supporter la copine de leur, tu. Comme Coco aussi a mis avec Nili Linda. Donc les deux, tu venaient au deux de, leur, de la copine de leur ami, de leur gano, de leur gars. Donc, Nili Linda, comme elle connaît les deux, tu de leur. Hé, hey, Nili Linda, continue toujours avec la bande là. Ton frère est dépassé. Ton frère ne sait pas dans quoi tu es venu entrer en France. Il est dépassé. On a même refusé de lui remettre la caution. À cause des bagas et les casques qu'il y a eu là-bas. Alors. Ouais, partagez le direct, s'il est là. Partagez-nous ça. Qu'on fait comment? Donc maintenant, toi qui es parti chercher la bagarre, qui est millionnaire avec les amours, les pâtes de café ou c'est les pâtes de caca là, cotisez l'arrêt de la caution, vous remettez au frère de tuer par son père. Parce qu'on a, on ne les a pas remis la caution à cause de la bagarre. Nili ne va prendre l'argent où elle attend d'aller enterrer son père. Comment vous pouvez être méchant comme ça, les Camerounais? Tu es une diablesse, tu peux tuer toi, Flore. Tu peux tuer. Toi, poto. Tu viens au deuil. Nili n'a ténèbre aujourd'hui, demain son père meurt. L'autre s'approche de toi, demain son père meurt. C'est quoi? Tu cherches quoi derrière les enfants déjà? C'est ton propre enfant que tu vas prendre. Tu as compris? C'est ton propre enfant que tu vas prendre. Regarde-moi dans les yeux. La prière, fire sur toi. Il a dit fire sur toi. Hey! Tu vis au deuil de ton ami que tu dis que c'est ton ami. On peut même t'attaquer, tu dis que je ne bagarre pas.
tu évites, tu fuis, tu prends le taxi, tu pars. Mais c'est toi qui te lèves, tu pars à l'endroit où la fille est. Tu dis que c'est Nelinda, tu n'es pas honnête. Tu n'es pas bien, Nelinda. J'avais les gens dans la salle, tu ne savais pas. Mais toi là, tu as mal fini à parler. Continue toujours. Est-ce que c'est elle qui s'est levée pour venir chercher la chaise à feu, Flo? Il y avait combien de chaises vides là-bas dedans? Combien de chaises vides? Elle, Nelinda. Tu es vraiment bête, comme on dit là. La plus bête fille, Bami, c'est toi. Je ne t'insulte pas, mais je te dis seulement que quand tu veux faire un jugement, parler quelque chose, ne privilège personne. Dis les choses comme ça s'est passé. N'oublie pas qu'il y avait du monde dans la salle. Il y avait des gens dans la salle que tu ne connais même pas toi, mais c'était les amis de tes frères, de tes tantes. N'oublie pas ça. Et moi, j'avais au moins 3 personnes qui étaient venues là-bas. Donc, juste pour te dire. Donc, c'est elle qui se lève. D'abord, Mini Minon va chercher la chaise. Elle dit non. Elle a de... c'est la... Pourquoi c'est seulement sur la chaise où elle a dossé qu'on veut prendre? Hey! Problème Nangaï. Elle refuse. Elle parle même doucement à Tata Lolo. Elle dit non. Elle regarde les toises. Elle dit non. Mamie porte tout sa graisse. Comment t'as pas vu les nerfs de ça? Elle porte sa graisse que, hein? Elle a dit non. Elle veut tirer la chaise avec la violence. La fille a dosé sur ça. C'est là où la fille porte la bouteille qui est en bas de son pied. Tu comprends, Tata Lolo? Ça rate sa tête. Ça prenait sa tête. Tout le monde dit que ça prenait la tête de Dieu sauve la fille là. Pourquoi comme ça? Ça prenait sa tête. Parce que la force, quand on dit que l'Angala a jeté la bouteille avec. Et Tamdoua, c'est comme ça que Poto, on ne sait pas où le couteau de Poto est sorti. Arme blanche. Ce n'est pas un couteau de table, s'il vous plaît. C'est un couteau qu'on fait pac. Tu vois le truc qu'on fait pac, ça sort là, non? On appelle ça le couteau suisse. Couteau de poche là. On m'a dit que c'est un couteau. Oui, c'est le couteau. Petit couteau qu'on appuie comme ça, pac, ça sort. Tu me dis que couteau de table. Elle avait sa fille, elle. Elle a pu, elle veut poignarder la fille. C'est là où maintenant on arrête sa main. On a vu ça à l'avance. Elle voulait faire en cachette pour mettre dans le ventre de la fille. La fille ne voyait même pas. Je ne sais pas. Maintenant l'autre vient. Le gars doit là. La main derrière la table. La vidéo que je vous ai envoyée à toute la team là. Vous avez vu les vidéos. La fille dit qu'aujourd'hui, tu ne me tues pas, c'est moi qui vais te tuer. C'est comme ça que la fille commence à porter les chaises dans la salle. Et jette partout que ici aujourd'hui, Nelinda. Nelinda fuit, elle commence à pleurer, au lieu de calmer sa poto qui est venue bagarrer et chercher les. Elle ne venait pas au dehors de Nelinda, elle venait chercher les gens. Elle venait te chercher, elle venait chercher les gens. Elle venait pas au dehors. Quand tu viens au dehors, tu as l'esprit de paix, l'esprit de partage, l'esprit de peine. Tu comprends un peu ce que je vais te dire, Tata Lolo? Tu vas avec la paix, la peur. Tu peux monter ta tête, même tu fuis. Parce que tu ne veux pas gâter le dos de ton ami. Mais si tu aimais Nelinda, tu ne pourrais pas faire ce que tu as fait. Jamais ce que tu as fait devant sa famille. Qu'est-ce que sa famille va penser d'elle? Tu me fais ça avec toi. Tu! Qui va même venir au dos de mon père faire ça? Hé! Hey, je finis avec toi, maman. Avant que la police n'arrive, qu'on est mort tous les deux, c'est qu'il y a 2 corps à terre. C'est qu'il y a 2 corps à terre, parce que même ma famille me connaît pour les choses comme ça. Tu viens au dos de mon père, aucun respect. Il y a la bougie allumée avec la photo de mon père. Au lieu de chanter la chanson normalement, pour que son âme monte au spirque des pécheurs et se repose en paix. Et toi, tu es toujours en train d'ajouter le diable sur ça. Qu'est-ce que tu as ajouté de plus à ce deuil, même dans la chanson, pour que l'âme de ce papa puisse aller se reposer en paix? Parce que même dans les chansons que tu chantais, tu n'étais pas vrai. Dites-moi, regardez cette vidéo, me dites si cette fille était vraie. Cette fille est une diablesse. Elle est à jeter à la poubelle. Elle est écœurante. Elle est dégoûtante. On ne sait plus quoi faire d'elle. Elle est finie. Ce n'est pas quelqu'un qui doit aller dans les milieux publics parce qu'elle ne sait pas se tenir. Elle n'est pas une femme classe comme Tata Lolo. C'est pour ça que quand on donne l'hommage à Tata Lolo, elle a mal. Elle n'est pas classe, elle est vulgaire. Elle nous traite de racaille. Mais plus racaille qu'elle meurt.
C'est une racaille. C'est une pure racaille. Maman ministre, dans la fille, elle a lancé la bouteille. Hein. Une grande bouteille. Une bouteille, oui. Quand la fille lance la bouteille, toute la salle voit. On la tient. Quand on la tient maintenant, elle veut se calmer. Mais l'autre, elle a sorti le couteau. Elle n'avait même pas vu le couteau. C'est les gens qui ont vu le couteau. La personne qui voit le couteau, la personne était assise juste là. Elle était derrière. La bagarre, comment lui, il se recule. Tu connais les gens de la bonne diaspora de Paris, là. Et il se recule, il se met. Il voit le couteau. C'est là où il se lève par prudence. Il tape la main. Et directement, Minanus récupère le couteau. Maman, Minanus, ouyo, baba. Ouyo, papa. Tu vas traiter un problème en France ici, là, tu vas le comprendre. On dit qu'il y avait au moins 100 policiers dans la salle. Tu parles, 100 policiers. Non, attends, ça c'est après. Quand la police vient, on a même refusé. On regarde comment Flo est venu à Paris nous gâter une salle de deuil. Une salle où on a pleuré tous les grands de la diaspora. On a pleuré Pédidier, on a pleuré Mabéa, on a pleuré tout le monde dans cette salle à cause de Flo de lui seul. Si vous, ça ne vous donne pas la leçon dans votre cervelle-là, cette fille est à bannir dans notre milieu. On doit l'interdire tout accès. On doit l'interdire tout accès. Cette salle-là, Lolo, qui ne la connaît, c'est la salle monumentale à qui on donne à tous les Camerounais moins cher. Tu n'as pas l'argent, tu pars là-bas, tu fais ton deuil. Mais à cause d'elle, tu ne peux plus venir dire que tu es Camerounais, tu loues la salle. On ne les a même pas remis la caution. Et l'affaire n'est même pas finie parce qu'on va les entendre. Il y a plainte. Ah oui. Nélinda ne vous dit pas tout. Il y a plainte, hein, la famille de Benini n'en a pas laissé. Vas-y, maman ministre, raconte donc. Nélinda ne dit pas tout parce que la police est venue. Quand on disait qu'elle avait l'arme blanche, on a fouillé tout. On ne trouve pas l'arme blanche parce que Minanus avait mis l'arme blanche où ma personne avait vu. Ici, vous voyez bien la vidéo, vous allez voir Minanus en train de cacher l'arme blanche, la vidéo que vous a envoyée dans la chaussure. Parce que c'est ma personne qui filmait. Mais eux ne savaient pas. Ils allaient se cacher, ils filmaient. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que quand Minanus cache l'arme blanche, on les fouille tous. La fille fait que dit que le couteau doit sortir. Le couteau là va sortir ici, là, aujourd'hui. Ça ne sort pas, moi, je ne pars pas. Il y a eu plainte, hein. Les frais de Nelly. Nelly, faut dire la vérité. La fin n'est pas finie, hein. Voilà ce que tu es venu en France chercher. Tu es venu en France chercher les problèmes, non. Tu es parti entrer sur celle que tu voulais être star, non. Voilà ça. Mais, au lieu de pleurer ton père en paix, voilà ton, le deuil de ton père, Nelly, là, toi qui coiffes, toi qui fais les ongles de toute la diaspora, qui maquille toute la diaspora, j'ai vu du début à la fin. Ça fait un mois que ton père est mort. Nelly, paie-toi à ton deuil. Ton deuil était plus, le deuil le plus froid de Paris, Nelly. Mais tu es à toutes les soirées. Tu es à tous les trucs. Mais ils sont où aujourd'hui pour te soutenir? Dans les bons moments et les mauvais moments, c'est là où on connaît les amis. J'ai envoyé inbox la vidéo à tout le monde. Hein. J'ai essayé de mettre ça sur le... Tout le monde là, inbox. Hein. Mais je ne sais pas comment partager ça sur Facebook. J'ai demandé à une de nous de mettre sur Facebook. Mais elle aussi, elle n'arrive pas. Mais inbox tout le monde là. Hein. Je l'ai mis sur... La vidéo est inbox. Partagez la vidéo que je vous ai envoyée, inbox. J'ai envoyé à Tata Lolo, j'ai envoyé à tout le monde. Hein. J'ai envoyé la vidéo. J'ai mis ça sur un journal. Je ne sais plus sur le journal de qui. J'ai essayé de mettre ça sur un journal. Je ne sais pas le journal de qui. La vidéo là, inbox là. Elle a la chance qu'il y a tous les Tinda parisiens pour elle. Les gens qui ont un peu faim là. Les Alain Le Mignon. Les petits gars qui ont un peu faim là. Qui rêve encore qu'elle peut payer une table un jour. Donc, c'est comme ça, quoi. Donc, en fait, voilà l'histoire. Donc, la fille, maintenant, la fille est finie, même que le matin, hein, ça s'est passé très mal. Elle n'a voyait pas faire la vidéo qu'elle a fait l'après-midi. Ce qui m'énerve sur la vidéo de l'après-midi, c'est que elle ne demande même pas pardon. Ça n'est Linda. OK. Inbox. Pardon, envoyé à... Carole, tu l'as, non? Mais je t'ai envoyé, Carole. Non, ouais. La vidéo est sur mon mur, maman. J'ai partagé sur mon mur. J'ai partagé même.
Parce que moi, je ne connais pas. Et partage. Voilà. C'est là où tu vois le ridicule. Hein. Si tu vois la vidéo là, ça va même faire. Elle est oh, là. voilà. Elle est dégueulasse. Elle est vraiment horrible. Donc, cette fille ne sait pas. À cause d'elle, on ne peut plus louer cette salle. Déjà, une salle monumentale. C'est une salle qu'on peut dire que c'est comme Saint-Denis pour nous à Paris. C'est des salles renommées. C'est comme ça qu'on dit, non, Lolo? C'est des salles renommées que Bien quand on dit sûr. qu'il y a deuil à Saint-Denis, on ne cherche pas. Chacun prend seulement son taxi, on connaît où on descend. À la plaine, là, c'est la plaine Saint-Denis, je crois. Donc, quand on dit qu'il y a fête, c'est comme au Moulin Bassin. Donc, c'est les salles renommées camerounaises. Mais il a suffi d'une journée. Ça fait deux fois qu'elle vient dans cette salle pour prédidier. Comme nous, on était là pour la maîtriser, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Mais comme nous, on n'était pas là cette fois-ci, elle a pu gâter cette salle. Vous-même, faites l'analyse, vous nous dites. Parce qu'on commence à avoir marre, être fatigué. On ne peut plus trop parler de cette personne. Tous les jours, une personne. Tous les jours, une personne. Tous les jours, une personne. Il faut que l'ambassadeur camerounais, moi, personnellement, je vous promets, je vais faire une doléance à l'ambassade du Cameroun, d'envoyer une lettre à la préfecture française, au ministère de l'Intérieur française, qui a une française qui a fait détruire le milieu camerounais. Nous sommes dolés verts et nous voulons le respect. Nous voulons garder notre dignité. Nous voulons garder nos étoiles comme les Tata Lolo et les Compressors qui veulent faire quelque chose de notre pays. Nous voulons garder nos gens qui ont la lumière de nous faire avancer, de nous aider. Je vais vous faire un témoignage aujourd'hui devant vous tous. J'ai eu des moments difficiles dans ma vie, très difficiles, qui n'est pas encore fini. La seule personne, vous le croirez jamais, c'est que vous avez été là pour moi. À tout moment, Lolo a toujours été là pour moi. Je ne permettrai à personne de vouloir nous séparer. Je sais que le diable rôde tout, c'est bon. Je sais que le diable est toujours autour. Je sais que vous êtes là les jours qu'on voulait nous détruire. Mais on va tenir bon. Pour vous montrer que les enfants de Dieu ne sont pas à prendre à la légère. Et de deux, je vais vous faire un deuxième témoignage. Vous savez, Dieu existe. Dieu existe. Bon, je n'ai pas fini l'histoire. Bon, ok. Bon, l'histoire, ça s'est passé comme ça. Bon, il y a une plainte qui s'est passée. Bon, Lilina ne vous dit pas tout, hein. Et sa famille n'a pas laissé passer, hein. Ah non, 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 non. Ils vont être entendus. Ah oui, ils risquent d'avoir des gardes à vue. Mais comme ils sont allés au Cameroun, Lilina, c'est la petite sœur. Il y avait des tantes, il y avait des gens. Est-ce que Lilina avait même combien de personnes là-bas dedans? Où sont ses amis? Je n'ai vu aucun ami de Lilina que je vois sur la toile avec elle. Elle a fêté l'anniversaire, il y avait 10 000 personnes. Il y avait tous les Dominique Dior, tout ça. Les gars étaient où? À ton deuil. Où étaient tes gens, Mirabelle? Les gens qui étaient à ton anniversaire, ils étaient où? J'ai vu Mirabelle. Moi, Mini, ne dis pas que je te coupe la parole. Ça, c'est sa vie. Ça la régale. Bah, tu sais, en ce moment, elle est en deuil, tu vois. Elle a perdu son papa. On ne va pas rester là pour rigoler. Où sont tes gens-là qui étaient à l'anniversaire? Bon, moi, je voulais. C'est pour ça que j'ai fait une entre parenthèses tout à l'heure pour dire que les amis ne sont pas seulement. Maman ministre, pas que je te coupe la parole. Les gens vont. Regarde comment on a organisé le deuil de Poupée Didier ici-là. Il y avait un monde fou au deuil de Poupée Didier. Depuis que je suis à la place parisienne, je n'ai jamais vu un deuil comme ça. Les gens ont vu ce deuil. Il y avait Mabéa et Poupée Didier dans la salle-là. Les deux attends, deuils. Attends, c'était pas là-bas, c'était pas la même salle. En dehors de les gens ont vu comment j'ai fait la veillée de Poupée Didier. J'ai fait une veillée à son nom. Les milliers de gens sont venus au deuil sans connaître Poupée Didier parce que cette histoire, j'ai pris ça de la mort. En cœur. Les gens sont venus jusqu'à la mort. Qui avait au moins 15 l'Olomani à l'avant. Attends, maman. À la mort, tu étais là. Comment ils sont venus nous soutenir? Les gens ne sont pas venus. Comment tu peux venir à un deuil? Tu promets en semaine comment les beignets que je vais préparer. C'est moi qui vais préparer la nourriture du deuil. C'est moi qui je vous attends là-bas, non?
tu as dit, ça fait peur aux gens, maman ministre. Quand on va venir à un deuil pour venir soutenir sa personne, mais la personne a peur. Ne crois pas que ces gens ne sont pas venus parce qu'ils ne voulaient pas soutenir Nelinda. Il y a plusieurs façons de soutenir quelqu'un. Ce n'est pas seulement la présence qui est importante. Mmh. Même après ça, il y a plusieurs façons. Nous, j'ai compris qu'aujourd'hui, on a décidé, toi et moi, avec ma ministre, les deuils organisés. Attends, maman ministre, on va parler au même moment. Les deuils organisés en Europe, c'est devenu comme une soirée. Parce que le deuil, c'est un moment où, quand quelqu'un meurt, la personne encore dans la mort, il est encore dans la glace, il n'est pas encore enterré. Le deuil, c'est la musique religieuse. Ça veut dire que même deux personnes qui se détestent sont obligées à même se serrer les mains au lieu du deuil qu'on fait les accolades. Enfin, que l'âme de cette personne repose en paix, on l'accompagne avec les prières que le Seigneur accorde le pardon de ses péchés. C'est comme ça que nous faisons qu'il y a deuil. On chante les louanges, on chante les cantiques. C'est pour aller. Mais en France aujourd'hui, les deuils sont devenus les soirées où les gens boivent du champagne, les gens dansent le makossa, le bikoussi, alors que la personne n'est pas encore enterrée. Même au Cameroun, quand il y a deuil, on ne va pas dire que c'est faux. C'est faux. Au Cameroun, quand il y a deuil, quand tu parles à une maison de deuil, tu vas écouter que c'est les musiques religieuses. C'est les chansons en Bamileke, la chanson des Bamileke, on chante en pleurant. Il y a des gens qui sont là, tout le monde est calme. Le soir, c'est la veillée. Les gens se comportent, les gens pleurent, les gens sont là pour consoler, sont là pour aller revisiter ceux qui ont eu le malheur. C'est après l'enterrement. Attends, maman ministre, on va parler ensemble. C'est après l'enterrement. C'est après l'enterrement qu'on fait la veillée. C'est comme une neuvaine. C'est là où on danse, c'est là où il y a le ben sikine, c'est là où il y a ceci. Mais aujourd'hui, en France, les gens ont pris le deuil comme si c'était devenu un spectacle. Comme une soirée, comme un lieu d'amusement. C'est la raison pour laquelle je me trouve même plus en train de passer des là. Il y a plusieurs façons de soutenir ça. Ces gens que tu cites là, peut-être qu'ils ont la voix en appartement. On ne cherche à indexer personne dans ce que je tu m'en dis. Fous, parce que moi, personnellement, j'ai la voix. Mais... Toi et moi, on a décidé d'aller la voir en appartement après le deuil, voilà. Avant qu'elle ne voyage. Moi-même, déjà, je me rends compte que je ne connais pas Tony Lilinda dans cette famille. Je connais aussi son frère, qui est l'aîné de la famille. Donc, je dois voir son frère et elle en aparté. Mais ça m'a blessé parce que, vu l'alliance que ce frère a avec mes gens, je ne pouvais même pas imaginer que Néline avait un frère aussi bien éduqué. Et aussi. Non, elle ne me menait pas aussi souvent. Mais pas comment une fille a été aussi naïve? Elle est dans les problèmes dans sa famille, vous savez ça. Elle est dans les problèmes. On a dit que ses amis sont venus gâter le deuil. Ça va aller jusqu'au Cameroun. Hein. Jusqu'au Cameroun, les gens sont déjà au courant. Maman ministre, le seul truc que je n'ai pas aimé dans le diable de Nelinda, c'est que Nelinda dit que quand elle va revenir du Cameroun, elle va agresser Diane. Je suis désolé, Nelinda. Attends, deux minutes seulement. C'est dans la pulsion de la colère. Elle va elle-même prendre le temps, elle ne savait pas qu'il y avait les vidéos. Non, mais elle n'en veut pas aussi, elle a deuil, laisse-la, elle n'en veut pas, elle arrête de l'incriminer. Non, ne mélange pas tout, on parle du deuil, ça arrête, elle... ne mélange pas tout. D'accord. Nelinda, elle est dans la pression, maman ministre, elle est dans la pression du moment qu'elle a perdu son père. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle, moi j'ai perdu, mais j'ai perdu un père. Quand quelqu'un n'a pas encore vécu cette situation-là, c'est bien beau de critiquer. En ce moment, peut-être elle est perdue, mais elle ne s'est pas empêchée de condamner l'acte que sa copine a fait. Elle a dit que tu ne pouvais pas venir dans ma veillée, venir faire le trouble dans ma veillée. Tu m'as attaqué plusieurs fois, j'ai laissé. C'est qu'elle aussi, elle a envoyé les deux côtés. Mais vous oubliez ça, que c'est la fille qui allait provoquer Diane, la PDG Diane, où elle était assise. La PDG Diane était assise, elle était là, parce qu'elle avait déjà eu rancune, je ne sais pas quoi. Donc elle est venue avec. Comment c'est fait que tu peux avoir une amie? Attends, ma ministre. Tu ne peux pas avoir une amie et venir au deuil de ton ami armé d'un couteau. Ça veut dire que tu as les mauvaises intentions à la base. C'est que tu as préparé, que c'est dit. Ce que tu disais dans les vidéos, tu es en train de mettre ça en application. Ça veut dire que tu attendais Lolo. Ça ne devait pas être Diane, ça devait être moi. Voilà. Diane est venue prendre les coups perdus. C'était Diane parce qu'elle était venue armée. Le couteau n'est pas sorti de son sac, c'est sorti entre ses seins. Ça veut dire qu'elle avait déjà mis un couteau à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une personne qui a un danger public. C'est une personne qui a crainte. C'est une personne qui a insulté Virilia il y a quelques jours, là, que Virilia, c'est une chienne, c'est ceci. À ma grande surprise, elle s'est métamorphosée le lendemain. Elle a soutenu Virilia parce que Virilia allait parler en prison. C'est une manipulatrice, c'est une personne qui est dangereuse. Ça veut dire qu'avant d'accueillir Nelinda, Nelinda a dit l'essentiel.
Moi, il y a des amis que j'ai effacés dans ma vie, que même le Dieu ne peut pas nous réconcilier. Il y a des amis que j'ai effacés dans le... Il y a des... Non, écoutez, maman, il ne faut pas toujours... faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Quand il y a deuil, il y a deuil, il faut qu'on respecte les morts. Quelqu'un a perdu son père, oui, c'est pas non, le moment qu'on va parler de... Mais c'est pas en laissant l'enterrer son papa. Elle devait attendre, voilà. Il devait même Doha avec Diane. Elle pouvait attendre Diane. Oui, oui, c'était Nelly a dit, Nelly a dit la même chose. Nelly a dit la même chose. Diane va même aux toilettes ou Diane va fumer. Diane fume. Tu as raison, maman Béli, tu as raison. Elle règle son compte. Ça se passe dehors, pas devant la famille des gens. Nelly, tu as raison. Elle venait gâter le deuil. Elle avait prévu. Puisqu'elle a prévu, elle avait les beignets. Est-ce que Nelly comprend alors? Nelly va comprendre. Est-ce qu'elle ne comprend pas, Ramine? On attend au Cameroun, elle va comprendre ça au Cameroun. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. C'est elle qui aime les amitiés. Est-ce que tu sais que tu dis la vérité, maman ministre? Moi, je dis maintenant qu'attend qu'elle rentre du deuil. Comme elle a dit qu'elle va arrêter de dire la bagarre, c'est là où on se va la répondre. Parce que tu vas bien arrêter de la bagarre. Tu es venu te soutenir. C'est là où appeler, parce que tu veux privilégier ton ami qui essaie de t'humilier tous les jours sur la toile. Tu veux maintenant appeler, venir du temps à Diane, dont tu as les invités vite dans ton deuil. Il y a des gens qui doivent venir à ton deuil, des gens qui doivent venir à ton deuil, mais vous, est-ce que vous réfléchissez? Même que tu as bien réfléchi. Quelle honte même de l'aider dans les gens. Quelle honte. Et tu demandes à la personne de la loi de sanctionner Diane. On sanctionne Diane par rapport à quoi? Diane n'a pas eu sanction. Diane était assise, on l'a provoqué. Ayez un peu la crainte de Dieu. Donc dans le VIP de ton père, dans le deuil de ton père, il y a des invités VIP. Il y a des invités qui sont... que je ne la connais même pas. On connaît quelqu'un au deuil. Même un inconnu vient à ton deuil. Le fait qu'elle est seulement venue s'asseoir. Ça veut dire qu'elle a quand même compati à ta douleur. Elle n'est pas venue dans l'esprit de venir bagarrer. Aujourd'hui, tu es en train de l'incriminer. Tu dis que je ne la connais même pas. Quand est-ce que tu es au vide maintenant? Tu es notre. Attends, il faut. C'est quand on va venir parler, ma tension, mon moment, on dirait que c'est même des problèmes. Je ne veux pas comme ça. Tu sais que c'est nous qui devons parler. Quand tu parles, ma tension, même les nerfs, je risque même de dire ce que je t'empêche de dire. Non, je ne veux pas que c'est toi qui parles fort. C'est nous qui devons parler fort. Toi, tu restes calme. Je te laisse parler, maman ministre, pardon. Je reste calme. Donc, depuis dans la semaine, elle voulait gâter le deuil. On a compris. Ah. Personne n'était non. Elle-même, elle a confirmé. Néline a confirmé que son deuil est gâté. Une diaspora, comme nous qui sommes soutenants. À cause des beignets. À cause beignets. Les beignets, la farine, c'est 1 euro. 1 euro. La beignet, c'est 1 euro. Le poisson aussi. Vraiment. Le sucre. Hum. Tu fais 10 kilos, ça ne te fait même pas 5 euros. Vraiment. On nous a dit que Diane n'est pas une évité. De venir te soutenir, Nelly Linda. Oui, on nous a empêché de venir te soutenir, Nelly Linda. Moi, je ne voulais pas, moi, mourir avant l'heure. Oui. Tes invités via... Maman, tu parles trop bien. Tu parles trop bien, maman. Tu parles trop bien. Alors là, à l'heure d'aujourd'hui, Nelly Linda, tu parles trop bien. À partir de là, tu dois comprendre que un père est sacré. Une mère est sacrée. Mmh. Quand tu pleures tes parents, hein, tu vas le pleurer toute ta vie. Une père, une individu ne peut pas venir au deuil de l'homme qui t'a mis au monde. Un père t'a contribué à ton existence, à ta vie, à ton éducation. Même si c'est ta mère qui garde le deuil, tu bagarres. Même si c'est ta mère. Tu bagarres. Des mensonges. Mensonge, la PDG Diane se défend, elle s'est défendue parce qu'elle a la rancune avec Diane. Parce que Diane, le coco Poitou aime Diane. Je t'ai dit de te calmer, tu es notre mascotte. Tu ne dois plus parler. Tu n'as même pas honte. Donc, tu dis que Diane était un inconnu. Nelly, avant de dire bagage, je ne peux pas toi. Hein. Diane, c'est le lion. Hein. Aïe, laisse-le. Maman ministre, il faut bloquer les intrus là. On m'a donné, ils sont où? Je ne les vois pas pour l'instant parce que je donne des conseils à ma petite sœur. Diane, à ma petite soeur Nelly. Parce que c'est une période que j'ai déjà passée, à plusieurs étapes. Vous comprenez? Donc, ma petite soeur est dans les moments difficiles. Vos injures et vos histoires ne m'intéressent pas. Parce que vous passez votre vie à détruire. À détruire. Alors, nous avons décidé de ne plus jouer dans ce jeu. Vous savez, quand un chanteur sort un disque et qu'on écoute tous les jours, c'est pour ça que ça marche. Quand le disque ne marche plus, c'est parce qu'on n'a pas écouté. On ne veut plus écouter les discours. Vous pouvez venir, parler, insulter. J'ai dit à Lolo, elle ne parle plus. Parce qu'elle a trop de vie. Je veux qu'on la connaisse internationalement, positivement, non négativement.
Parce qu'à force de parler, nous allons faire le négatif pour elle. Parce qu'elle a des gens derrière elle aujourd'hui. On a des projets. On doit se concentrer pour ces projets-là. Vous n'allez pas nous distraire. Nous avons compris. Nous avons compris le jeu. Le jeu était ça. Nous distraire. Faire que nous soyons comme vous. Perdre notre temps sur l'étoile. Oui, on perd notre temps, ça nous amuse, on rigole. Mais ma chérie, je te promets à partir de ce soir, avec ce qui s'est passé, qu'on va t'éradiquer de la population camerounaise. On va écrire une lettre à l'ambassade ou à la préfecture de l'île où tu as eu ta nationalité ou en danse. De retenir leur française. On va faire les choses concrètement avec étape par étape. Flore, tu as décidé de nuire. On va décider de te nuire aussi. Tu as décidé de sortir nos morts des placards. On va sortir tes morts des placards. Tu as décidé PDG Diane, donc, il faut préciser ça. Aujourd'hui, PDG Diane ne t'a rien demandé. Elle était dans son coin. Tu viens la chercher. C'est toi qui vas vers Diane. Regarde même ta vidéo. Diane n'est pas à côté de toi. Diane est bien de l'autre côté. Tu veux le côté. Elle ne veut même pas le mélange. C'est toi qui aimes te mélanger. Et la chancelière va l'introniser. La chancelière va la nourrir. Les gens, écoute très bien, les gens n'aiment pas se mélanger à toi, Flore. On ne veut plus se mélanger. Tu es une pute internationale reconnue de God. Une lesbienne. Je ne suis pas homophobe. Mais le Cameroun est homophobe. Alors, nous allons faire une marche, s'il le faut, pour toi. Oui, nous allons faire une marche, s'il le faut, pour toi. Avec les preuves et tes photos sur les pancartes. Nous allons le faire. Nous allons demander avec tes amis qui s'habillent en fille devant l'ambassade du Cameroun s'ils ne veulent pas nous écouter. Voilà. C'est comme ça la décision de ce soir. C'est pour ça que je fais ce direct ce soir. Parce que à un moment donné, il faut qu'on prenne des décisions fermes. Notre Lolo a besoin d'avancer. Compression a besoin d'avancer. Ils font les choses bien pour le pays. Nous avons besoin que notre pays avance. Donc, l'Afrique est en retard à cause de ces bizarres de personnes. Parce que le diable veut siéger chez nous, nous commander. Ok? Mais nous, les enfants de Dieu, on va aider les orphelins, les pauvres. Elle a pris l'argent des orphelins et des bords. Elle a mangé. Or, jusqu'aujourd'hui, Perpétue nous a toujours prouvé sa bonne foi avec nos orphelins que nous sommes. Parce que je suis orpheline. Elle aide mes frères orphelins. Alors, Madame Sommet. Oui. Madame Sommet, dis pas que de coup la paix. Je ne savais pas que tu parlais aussi bien, maman ministre. Tu as un talent, hein. Tu parles trop bien. Hein? Bravo, ma soeur. Ça, c'est bien ça. Aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier, il faut bloquer les intrus là. On va les bloquer après. Les gens qui viennent te... Il faut les laisser voir. Non. Ça arrive. Je ne sais pas comment. Je ne les lis pas parce que il faut d'abord que je passe mon message. Si je les lis, ça va me troubler. Alors, ce que je suis en train de décider ce soir, c'est que Tata Lolo et Compression va se mettre derrière. Et le général et moi. Bloque Patricia. Voilà, je l'ai lu. Patricia Didi, là, non. Voilà, je viens de la voir. Voilà, je l'ai attrapé. Je viens de la voir, je l'ai attrapé. Rib, ma chérie. Rib, tu fuis. Tu n'as pas encore fui. Patissa Didi, Rib. Il n'y a pas de guerre chez nous. Il n'y en aura jamais, ma chérie. Bonne chance. Va supporter ta foi. Bloque aussi Paul, là. Paul, Giogo, là. Bloque. Paul, tu l'as vu, non? Je le cherche. T'inquiète, je vais le trouver. Tu me connais. Bon, alors ce que moi je voulais dire, c'est que nous, Paul Diogo, je l'ai trouvé. La honte, c'est pour toi, c'est pas pour nous. Au revoir, Adrien. Bon, alors ce que moi je voulais dire, c'est que diaspora camerounaise, ça commence à aller mal. Même la pauvre salle que nous avions moins chère à 500 euros pour pouvoir pleurer nos beurres en France, nous ne pouvons plus la voir. Aujourd'hui, on sera obligé de passer par les Ivoiriens pour louer la salle. Il est temps. Nous sommes des gens lettrés. Nous sommes des gens bien. Nous sommes des gens intelligents. Des gens avec tout
le potentiel africain qu'il faut. Aujourd'hui, moi, je délègue le général Marie-Louise Balka et moi. Comme monte une date avec les photos des godes, avec Fleur de Lune, Coco Kouetou et toute sa bande dans des positions. Ne parlons plus, agissons. Allons devant l'ambassade, demandons une audience à la mairie de la ville de notre ambassade et nous faisons une marche avec leurs photos sur les pancartes. Marie-Louise, je te donne l'honneur de choisir la date des vacances qui arrivent quand les enfants seront en vacances et de venir m'en parler. On va monter tout ça ensemble pendant que nous, nos mascottes seront au Cameroun. Hein, pour le combat, nous serons en train de combattre sur place parce qu'il ne faut pas qu'on dort pendant qu'ils sont au Cameroun. Alors, au jour d'aujourd'hui, on a trop fait, on a bagarré, on s'est ridiculisé. Elle veut nous amener au ridicule. Arrêtons le ridicule. Allons aux actes. Cette fille a bousillé beaucoup de vies. Vous ne savez pas si les morts sont dans ses mains, les sangs des gens, c'est elle. Je peux même promettre que c'est elle. Je suis Ngangunkunga. Je suis Kunga. Chez Bangou, chez à l'ouest, quand tu es Kunga, tu as un pouvoir. J'ai vu le deuil de Vidya avant. Il y a beaucoup de choses que je vois. Alors, Marie-Louise Balka, qui est notre générale de toutes les teams, réunie, la TKC, parce que nos deux mascottes seront au pays. Tu es notre générale de la TKC, de la Lulomania et de la Despotless. Choisis une date, tu descends sur Paris, nous faisons des pancartes, nous faisons nos réunions. Il faut qu'on commence à investir sur notre combat, sinon on ne va jamais y arriver. On va parler dans le vide. Il faut que ça aille jusqu'à Épouse. Cette fois-ci, général, il faut qu'on se lève avec tous les captures d'écran que nous avons. Coco Kouetou en gauche, Fleur de Lille en Tuketui. Toutes ces photos-là, on va devant l'ambassade défiler. Il faut qu'on aille leur informer que ces gens-là ne doivent plus polluer notre jeunesse. Qu'ils puissent faire quelque chose. Que Etoudi puisse écrire à la France. Au jour d'aujourd'hui, on est déjà à un niveau qu'on ne peut plus contrôler nous-mêmes. C'est l'État camerounais qui doit contrôler ceci. Et si nous n'apportons pas ce qu'il faut, pour les preuves, pour qu'ils puissent interdire ces gens-là, ils ne feront rien. Alors, pouvons notre colère. La toile ne suffit plus. On a fait 5 ans de toile. Ça n'a pas marché. Maintenant, mettons-nous dans la rue. Mettons-nous dans la rue. Elle nous a prouvé par A plus B qu'elle est française. Déchirer notre carte d'identité, détruire notre communauté dans le monde entier. On ne peut plus. De toutes nos vies, alors, à nous de réagir pour notre jeunesse future. Vous avez des enfants qui sont, tout le monde connaît ce nom. Dans toutes les maisons où tu prononces ce nom, tout le monde connaît, même les Aïrois, les Antillais, les Camerounais, les Ivoiriens, les Béninois. Tout le monde connaît ce nom-là, en négatif et non positif. Mais quand tu dis « étoffis », c'est en positif. Alors, on doit éradiquer le négatif sur notre communauté camerounaise, car elle n'est même pas camerounaise, elle est française. Tous ceux qui ont des photos, ne parlons plus trop parce que nous allons distraire nos mascottes, qui sont Lolo, Tata Lolo et Maman Compressor Perpétu, qui se bat. La seule et unique jeune fille à moins de 40 ans qui est à la Koningi, fait un don. Bravo, Maman Pépé. C'est ça qu'on veut voir de la culture camerounaise. C'est ça qu'on veut voir sur
notre drapeau. La femme camerounaise battante. La femme camerounaise victorieuse. La femme camerounaise ressortissante du Cameroun. Lévons-nous pour éradiquer le mal qui est en train d'être. Le Boko Haram qui est en train de détruire notre diaspora. Non à Boko Haram. Non à Boko Haram. Non à Boko Haram au Cameroun. Non à Boko Haram. Nous sommes un pays de paix, de joie, de tout, de gentillesse et d'accueil. Les Nigériens vivent chez nous. Les Libanais vivent chez nous. Les Chinois vivent chez nous. On n'a pas mis de problème avec eux. Mais une seule personne veut venir faire croire qu'elle est camerounaise. Divisée. Non à la division. Non à la division. On va se lever. Transformer les salles de terre en salles de bataille. Lévons-nous. Lévons-nous. Il est temps. Nous avons fait 5 ans de bataille. On n'a pas pu. Nous avons été salis, traînés dans la boue. Malgré tout ça, avec la force de Maman Pépé, la persévérance de Maman Pépé, la dignité de la femme, elle a pu faire des merveilles pour montrer à la jeunesse camerounaise qu'il n'y a pas que du négatif en France. Nous pouvons vous aider si nous entendons. Aujourd'hui, il faut qu'on prouve à la jeunesse avec ferveur, il faut que nous soyons fermes dans ce que nous disons, dans ce que nous voulons. Les travailleurs. Ok, maman ministre, il y a celle qui veut l'appeler. Hein. À toi l'honneur. Maman ministre. Oui. Il y a celle que, je lis Guylaine, Nelly Lina l'a invité à son deuil, Nelly Lina n'a pas appris sa leçon. Ce que je veux dire, c'est que les sons de Lili d'enterrer son père, et puis voilà. Voilà. Et on attend juste que ça. Bon, les sons l'enterrer son père. Au et deuil, il n'y a pas d'invité. Ce que j'aimerais dire à la diaspora aussi, c'est que, bon, Nelly n'a pas reçu beaucoup de monde là-bas par rapport aux menaces. Alors, ce que moi, j'appelle à la population camerounaise, vous savez que le deuil n'est pas facile. Elle va encore aller affronter le deuil du Cameroun. Bloc caribou là. Bloc caribou. Bloc-le. C'est bon. C'est terrible. Ils vont partir. Voilà. Bon, ce que moi je voulais vous dire. Je vais couper, je vais finir par dire que bon, merci. Tu reprends à la fin. Pour qu'on continue. Beaucoup de gens veulent intervenir aussi. Donc, tu as très, d'accord, très bien parlé. Vraiment, merci. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Tata Lolo, reste, ne te distrais pas. Nous sommes là. D'autres personnes à venir. D'accord. Donc, laissons les Nidas. Pendant que tu es là, je voulais aussi dire à la population camerounaise et à tous ceux qui sont nos amis, qui sont compatissants au deuil de Nelly Linda, qu'on nous a effrayés pour aller au deuil de Nelly Linda, ok. Mais ça n'empêche que, vous savez que le deuil, c'est pas facile, c'est la cotisation, c'est pas tout. Il faut bloquer le Boakata là. On dit qu'il y a un Boakata qui est écrit, il faut la bloquer. Je vais la bloquer dès que j'ai la. Bloque la maman, tu la vois. Bravo, non, elle est latine, non, tu vas la voir. Voilà. Tu vas écrire beaucoup, c'est quelque chose. Donc, moi, je propose, Mrakata, c'est bon, au revoir, Rib. Donc, moi, ce que je propose à la population camerounaise, c'est que, bon, nous faisons quelque chose pour Nelly Linda avant qu'elle voyage, parce que le deuil n'est pas fini. C'est au Cameroun qu'il y a le vrai deuil. Hein. Donc, si vous avez même 20 euros, 30 euros, ça paye même le taxi, même le car, même un casier de 20. Donc, ne la laissons pas comme ça. C'est la cotisation. Ça arrive à tout le monde. Vous comprenez? Bon, c'est pas une petite épine dans un sac de maïs qui va nous pourrir. Faut pas qu'on laisse notre soeur voyager comme ça. Donc, si vous avez quelque chose, appelez Nelly. Allez même inbox. Parlez à Nelly Linda. Oubliez l'affaire de hier. C'est fini. On va régler ça entre nous. Parce que ça, ce n'est pas seulement le problème de Nelly, là. Ça, c'est le problème de la diaspora, parce que cette salle était une salle inconne dans la diaspora camerounaise. Alors, on ne va pas ne parler plus de cette histoire à Nelly, parce qu'elle doit enterrer son père. Pardon. Je vous demande un pardon. Je vous supplie. Vous connaissez le deuil, comment c'est dur. Quand quelqu'un perd, c'est son père, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est son papa qui l'a mis au monde.
Donc si vous avez 20 euros, 10 euros, on ne rend pas beaucoup. Aider Nelly Linda, elle va au Cameroun enterrer son père dans les bonnes conditions. Elle rentre. Après, elle sera apaisée. Parce que même quand le deuil. Voilà, ça c'est important. Ça c'est important. Ceux qui veulent participer, vraiment, parce qu'elle a dit dans sa vidéo qu'elle n'a même pas pu, elle n'a pas pu collecter l'argent parce qu'il y a vraiment, eu un bagage. Ceux qui veulent participer. C'est fait exprès. Le diable est mauvais. C'est pourquoi la femme de Twin ne va pas enterrer son papa. Je vous en supplie. Je vous en supplie à genoux. Étant une personne qui connaît ce qu'on appelle le deuil, parce que j'ai vécu les deuils, je sais ce que c'est. Vraiment. N'abandonnons pas notre soeur. Bon, moi, ministre, il y a d'autres personnes qui veulent appeler là. Moi, personnellement. Il y a d'autres personnes qui veulent appeler. Oui, mais j'insiste sur ce point. Parce que sur ce point-là. Oui, mais tu vas continuer à le faire. Tu vas... D'accord, bon. Je te bloque, je t'appelle alors. Je te rappelle. Attends, moi, mais j'ai pas fini. Je veux dire ceci. Bon, ouais. Merci. Hein. Merci pour toi. Vraiment, tu as un côté de toi que je n'avais pas. J'ai compris que tu m'as démontré aujourd'hui. Tu parles très, très bien. Moi, je vais souhaiter les condoléances à Nelly Linda. Hein. Mais je vais juste dire à Nelly Linda qu'il y a des amis, il y a des amis qui ont les fastes dans sa vie. Que même si c'est la mort, ça ne réconcilie pas. Il y a des amis qu'il faut fuir, il y a des amis qui apportent des malheurs. Il ne faut pas s'attacher aux êtres humains. Il faut s'attacher, il faut d'abord penser à soi-même. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Donc, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne t'aime, que ça ne va pas avec, le mieux, c'est que tu ne sais pas. Mais quand vous êtes dans un milieu parisien plein d'hypocrites, il y a beaucoup de Camerounais qui sont hypocrites dans la diaspora, qui font semblant. Ils acceptent n'importe quoi. Si tu avais fait ta vie comme tu avais fait, tu t'es déjà retiré, tout le monde devait t'assister. Ouais. Mais bon, bref, ça c'est à toi de voir, tu fais comme tu veux. Ça n'empêche pas qu'on l'assiste inbox. On envoie ce qu'on peut. Hein. Non, je refuse pas. Non, tu es libre de choisir tes amis. La pauvre fille de Twitch parle comme ça au Cameroun. Peut-être elle va... Pardon, mes frères, mes soeurs, c'est la cotisation sur le choix. En tout cas, tu es libre. Attends, maman ministre. Ouais, comment tu peux. Tu es libre de choisir tes amis. Tu es libre de marcher avec qui tu veux. Mais je te donne un conseil des soeurs, qu'il y a des amis qu'on efface dans sa vie à jamais. C'est là où le blanc nous dépasse. Le blanc, quand. Et c'est là, ils vivent mieux que nous parce qu'on aime trop prendre les charges. On aime trop. En tout cas, voilà, c'est comme moi j'avais dit. Et puis, je n'encourage pas la barbarie. C'est que vous avez fait, ce qui s'est passé le deuil. Je trouve qu'une amie qui te considère, même s'il y a quoi dans un deuil, tu vas d'abord mettre ton ami qui a le malheur en face de toi et ne pas agir de la manière, de la même façon, de la façon dont ça s'est passé. Maintenant, le reste, ça n'engage que vous. Moi, je parle pas de ça. Et maman me dit, je vais laisser les autres vont intervenir parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir là. Donc, en tout cas, moi, je passe une très belle soirée. Bon, voilà. Ma ministre Ténard a fait ce direct pour éclaircir ce qui s'est passé. Et moi aussi, je fais partie. Mais je sais que ce couteau était destiné à moi ou à chanceler. Comme la dernière fois, on a préparé un coup contre la chancelière. Ça n'a pas réussi. Et puis, c'était contre moi. Juste parce que elles m'ont publié nu. Elles m'ont fait c'est quoi. Moi aussi, j'ai fait pour vous. Si vous avez honte de dire que vous êtes des bisexuels, est-ce que c'est interdit? Il y a un mariage pour tous en France. On a dit que vous vivez avec Coco et tout. Est-ce que c'est interdit? Vous pouvez vous marier. Donc, on a mis vos fesses dehors. Vous avez mis mes fesses. On a vu Coco avec les gauches. Est-ce que c'est interdit? Vous avez le mal de ça. Vous avez demandé, vous avez parlé de l'émission. On vous a laissé faire les émissions. Maintenant, vous voulez encore quoi? Laissez-moi tranquille. Pardon, pour favor. Vous êtes King Kong. Partez avec. Laissez-moi. More get que quoi? Donc, maman ministre, ce deuil concerne. Ce deuil te concernait ou Lolo, compresseur, on cotisait, on ne cotise rien. Rihanna Njoya, Babou Christelle, nous prions pour toi. Merci beaucoup. Valoche, Nelly a choisi Flo Kaka alors qu'elle reste à vous. Mariam, elle marche toujours avec les armes blanches, je vous le dis. Ah oui, et je connais. Non, ça, je vais dire ça à Maëlle après. Tata, elle n'est pas bisexuelle, elle est lesbienne bien. Ah oui, c'est vrai. Mémé, tu crois? Maman, donc Coco lèche les lages. Mémé, si Bambou, tu es la meilleure. Merci. Rien à dire, on va cotiser pour les orphelins. Bien sûr, on va cotiser pour les orphelins. Gorge profonde. Maman ministre, viens un peu bloquer la petite perdue là. J'ai fait la gauche pour faire ma chérie. C'est une très bonne chose de le faire, non? Merci beaucoup. J'ai lu quand même ton commentaire. T'inquiète pas. Tu vas me mettre hors de moi. Yoni Mathieu, Coco, langue de talent. Tu fais fort. Cuny Gold. Si on décide de contribuer, c'est pour Lolo qu'on le fait. Allez, tout le monde.
Non, mais c'est pas moi qui demande de continuer, c'est maman ministre qui dit que pour ceux qui veulent, après Odeï, voilà, ceux qui veulent. Elle est l'une des parmi les asticots qui ont un faux profit pour soutenir Foucault. Je me fiche qu'elle est deuil. Si elle a perdu les dons dont sa veille, c'est bien fait pour elle. Ok. Bon, voilà. Ça ne. C'est même pas. Elle a ses amis qui vont. Elle, maman me dit fait appel à ses amis, ceux qui étaient au lieu du deuil. Elle ne dit pas à vous, hein, ce que je vois. Elle dit aux gens qui étaient au lieu du deuil, qui n'ont pas pu le faire, d'aller le faire. C'est ça, non, maman ministre. Ceux qui ont. Parce qu'elle dit que les gens sont partis avec. Non. Non. J'appelle à toute la population camerounaise qui peut aider lui. Ok, bon. Bonne soirée à tout le monde. Bisous à tout le monde. Bisous, Kuni Gobo. Bisous à tout le monde. Bisous. Bisous. Mm-hmm. Bonne soirée au Lolomania, au Spotless, au Ninja et les TKC de la chancellerie de la Mama Perpé Campresseur. N'oubliez pas, ma Perpé a mis un lien pour les orphelins. Les Lolomania, les TKC, les Spotless, les Ninja. Contribuer parce que ma papa a besoin d'aller donner quelque chose aux orphelins au Cameroun. Contribuer, faire 0€, ça va aider. Il y a nos enfants qui pleurent au Cameroun. Nous irons ensemble pour l'accompagner cette fois-ci pour aller voir comment ça se passe. Donc, on a besoin de votre contribution. Il y a le lien sur son mur, là. Elle est compresseur. Il y a le lien, il y a le compte. Vous pouvez faire des Western Union, vous pouvez faire les virements par. À son compte, elle a mis son RIB sur sa page et donc la chancelière elle te, pour son œuvre humanitaire et sociale, elle en a besoin, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il reste que, je crois qu'elle va partir dans 2 mois, là. Donc c'est très important de contribuer parce que moi aussi je vais contribuer. Donc j'appelle tout le monde à le faire. Alors contribuons, montrons-leur que nous sommes une famille soudée, que nous sommes déjà une famille soudée, nous sommes là pour aider les orphelins. On est là. Voilà, montrons-leur que nous sommes voilà que l'arrivée de la chancelière soit encore soit l'arrivée triomphale comme elle a fait à Koudenki. Cette fois-ci, on va refaire ça sera encore plus grandiose parce que c'est la base sera très haute. Parce qu'on va aller dans plusieurs endroits au Cameroun. C'est pas une concurrence. Mais nous voulons. Maman ministre, bloque Agnès là. Bloque Agnès. Agnès, elle est là. Agnès, bloque. Très beau. Bande de quoi? Toi, une bande de merde, toi aussi. Vous et ta mère. Voilà, va te faire foutre. Oh, maman ministre, ok, bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Flore Numba, bonsoir. Laure, là. Laurette, la fleur. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vous love. Tête à nouveau va bien. Et puis, je vous laisse dans le direct avec maman ministre, madame Sommet. C'est elle qui est aux commandes aujourd'hui. Maman Sommet est aux commandes. Bon appétit, maman ministre. Merci. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Seulement une fois par jour et un peu tard, mais je prends le temps de dire. Attention à toi. Ouais, merci. Bonsoir, Guilherme. Bonsoir. Ouais, mais fais attention au poids. Je sais que tu es toujours là pour me mettre sur le droit chemin. Tu es toujours là même à toute heure. Ma ministre, je ne veux pas. Ma ministre, arrête ça. Arrête de manger. Ma ministre, reprends ton poids. Là, je sais que ma mère, Lolo, est très contente pour les bouquins. Tu ne manges pas beaucoup. Tu grignotes trop. Tu es en train de mettre quelque chose là. Tu ne manges pas beaucoup. Vous avez vu, non. Bonsoir, maman, Sandrine, Lolo, comme gentil. Elle me contrôle à toute heure. À toute heure. Ma ministre, bon. Je ne veux plus. Je vais laisser les autres personnes intervenir. Hein. Ma ministre, bye bye. D'autres personnes veulent intervenir. N'oublie pas de bloquer. Il faut bloquer, maman ministre. Il faut bloquer ceux qui t'insultent, ceux qui nous insultent. Il faut bloquer. Sandrine, ça va. Sandrine, gentil, ça va. Moi, ce que moi je disais, c'était que, bon, ceux qui peuvent aider Nelly Lynn dans le deuil, vous savez, c'est dur. Hein. C'est très dur. Moi, j'ai déjà eu deuil. Je sais ce que c'est. C'est très, très dur. C'est quelque chose de dur. Même si, vous savez, le péché que vous voyez là, même vous lisez la Bible tous les jours, Nelly Lynn va reprendre conscience. Elle peut être enfermée dans une bouteille de Gaspé, comme on dit souvent, comme elle dit tous les jours. Allô? Dans les bouteilles de Gaspé. Donc, elle peut être enfermée dans une bouteille de Gaspé. Mais aidez la petite fille là. Quelle est la Bonsoir. Allô? Bonsoir, ma chérie. Hey, ma, on te voit. Hey. On te voit pas. C'est noir. Bonsoir, ma ministre, bonsoir. Cache-toi, pardon. Parce que le nom que tu as là, voilà. C'est le nom. Merci.
Pasteur, pardon. Oh. Appétit, bon. Le port de Fouquera. Oui, je me cache. Hey.